Cette semaine-ci, nous allons nous focaliser sur le niveau subnational. Souvent, on ne parle pas de cela dans le secteur de la sécurité, mais il faut considérer cela lorsqu'on essaie de coordonner la lutte contre la CTO. Alors aujourd'hui, la semaine prochaine, je vous encourage de réfléchir à savoir quelles pourraient être les stratégies à poursuivre, quelles sortes d'actions est-ce qu'il faut entreprendre pour prévenir au niveau local, pour prévenir ces crimes. Et comme stratégie, pour que ça fonctionne bien avec la population, les acteurs de la sécurité doivent trouver des approches qui adressent le côté économique, les réalités sociales, des expériences des citoyens, de la population avec le crime et dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Et donc, les acteurs étatiques, pour avoir la confiance du peuple, doivent faire cela. Donc, les stratégies de coordination, pour qu'elles marchent bien dans la pratique, il faut avoir l'inclusion des citoyens, des communautés, et dans les zones rurales et dans les zones urbaines. Dans les zones urbaines, des caractéristiques notables de la CTO, c'est dans l'exploitation des ports, l'exploitation pour entreprendre des crimes et aussi des responsables, des hauts fonctionnaires qui facilitent les crimes à travers leur travail. En ce qui concerne les zones rurales et en particulier les zones frontalières, il est très important pour lutter contre la criminalité de considérer qu'il y a des liens sociaux que les gens partagent des deux côtés des frontières souvent, mais les réseaux criminels exploitent ces zones frontalières. Alors, le défi est pour les États, c'est de fournir les services pour le peuple dans ces zones, de coordonner des services et aussi renforcer la confiance des populations. Il y a plusieurs objectifs pédagogiques de notre panel aujourd'hui. Nous voulons surtout analyser en quoi consistent les risques et la résilience des communautés à la CTO dans les zones urbaines ainsi que les zones rurales et surtout frontalières. Nous voulons aussi évaluer les éléments de la coordination de la sécurité et la justice qui importent le plus dans le développement des réponses étatiques à la CTO dans les zones urbaines ainsi que dans les zones rurales, bien sûr. Alors, je suis heureuse d'accueillir deux experts exceptionnels et chevronnés qui nous aideront à entamer nos échanges sur ces points. Lorsque vous avez leur biographie en entière sur le site web de notre programme, je soulignerai seulement quelques aspects pertinents de leur biographie maintenant. Dr. Marcel Ayité-Baglo est directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières, la BGF, depuis 2012. Il est également professeur adjoint des universités et consultant auprès de la Banque mondiale. Le Dr. Baglo a précédemment été directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement, directeur général de l'administration du territoire et secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières. Dans ce dernier poste, il a coordonné l'élaboration de la politique nationale de développement des frontières et sa mise en œuvre par la sécurisation des zones frontalières, l'amélioration des conditions de vie des populations frontalières et la promotion de la coopération transfrontalière. Il est expert du Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme aussi. We also have with us today Mr. Charles Togarepi-Gordema. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui Monsieur Charles Togarepi-Gordema, qui est un consultant de recherche indépendant qui est récemment penché sur les intersections entre l'urbanisation et le gouvernement criminel. Il est directeur fondateur de Informed Solutions du crime économique en Afrique. Il étudie l'impact du crime transfrontalière. Il mène une équipe qui se penche là-dessus
pour combattre la criminalité organisée. Et il a travaillé aux instituts aussi pour contrer les crimes et voir les voies principales par lesquelles les crimes sont commis. Il a travaillé avec les institutions internationales telles que la Banque africaine de développement, la Facilité africaine de soutien juridique du groupe intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Et il a élaboré des plans stratégiques visant les flux financiers illicites. Il est également membre du réseau d'experts de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Il a précédemment travaillé sur des projets au sein de la division menaces transnationales et crimes internationaux de l'IISS Afrique. Alors, bienvenue à nos deux panélistes distingués. Nous allons commencer notre conversation, notre discussion. Docteur Baglo, je vais tourner vers vous d'abord avec trois questions. La première que je vais vous poser, vous aurez à peu près 7 minutes à répondre. Ma question est, qui sont les acteurs et quels sont les marchés impliqués dans la criminalité transnationale organisée dans les zones frontalières où votre agence travaille? Merci, Kate. Je crois que comme dans tous les pays africains en général, le Bénin, sur les 4 types d'acteurs que nous avons, en compte 3. Les acteurs liés à la mafia sont très peu présents en Afrique, surtout au niveau des pays comme les nôtres. Mais nous nous comptons 3 acteurs essentiels. Premièrement, et le plus gros, c'est les acteurs étatiques qui, à travers les détournements, à travers les prises d'intérêt dans un certain nombre d'activités, dans la facilitation de la corruption, sont des acteurs principaux, donc des CTO au Bénin. Ce qui a d'ailleurs fait que l'une des activités principales du gouvernement actuel depuis 2016, c'est la lutte contre la corruption, pour laquelle on a créé une institution spécialisée qui est la CRIET, la Cour donc, de répression des infractions économiques et du terrorisme. Donc, on a consacré carrément une cour à cette activité-là. Et il est reconnu que, de l'autre côté, toutes les forces de défense et de sécurité qu'on envoie vers les frontières sont heureux parce qu'elles vont là-bas pour exploiter, rançonner les populations. Donc, il n'est pas rare de voir de la Côte d'Ivoire à Cotonou, vous dépensez sur les frontières énormément d'argent, même si vous avez votre passeport, vous passez vite, on a oublié de donner de l'argent. Donc, cette corruption a gangréné un peu le système économique de nos pays, ce qui a fait que ces crimes économiques jouent énormément sur le développement de nos pays. Et quand vous allez dans les zones frontalières, la pression des forces de sécurité sur les populations font que ces populations les considèrent comme des bourreaux et non comme des protecteurs. Donc, les populations sont plus enclines à travailler avec les autres qu'avec les forces de sécurité qui sont leurs oppresseurs. C'est pour cela que le Bénin a pris l'option de casser ce processus en mettant en place un certain nombre d'institutions pour lutter contre le terrorisme et le rançonnement. Le deuxième groupe, c'est les réseaux criminels que nous connaissons, qui sont des acteurs qui sont les plus présents dans les espaces frontaliers. Dans ces espaces, si vous connaissez un peu comment fonctionnent les frontières, de savoir que l'État est absent dans ces zones frontalières. Ces zones extrêmement pauvres, c'est des zones où les populations ont le sentiment d'abandon par leur gouvernement et des zones enclavées, presque inaccessibles. Résultat, étant donné que ces zones sont inaccessibles et très peu et développer, l'État est remplacé par les entrepreneurs de violence. C'est-à-dire, ce sont ces criminels-là qui s'installent à la place de l'État, des fois donnent de l'eau aux populations, leur donnent leurs besoins essentiels, ce qui fait que ces populations, sans le savoir, deviennent des collaborateurs de ces criminels-là. Sans le savoir, sont obligés de se mettre sous les joues de ces et criminels qui leur donnent école, centre de santé, eau, etc. Donc, ça facilite l'activité à ces réseaux criminels qui, dans presque toute l'Afrique de l'Ouest, s'installent vraiment dans les zones frontalières. Parce qu'aussi, sache que dès qu'il y a des menaces
dans un pays, on peut à moins d'un kilomètre passer dans l'autre pays pour fuir la pression de ce pays-là. Il y a aussi que la méconnaissance des lignes frontières font que les forces de défense et de sécurité s'abstiennent d'aller dans ces zones-là. Donc, très peu de policiers se retrouvent dans les zones frontalières. C'est pourquoi ça devient des zones libres. Si vous prenez par la zone des trois frontières, entre le Burkina, le Mali et le Niger, où sévit aujourd'hui le terrorisme, c'est une zone vide où l'État était absent et l'État a été remplacé par ces personnes-là. Résultat, les espaces frontaliers, d'après tous les pays africains, sont aujourd'hui des zones difficiles où on a tous les trafics. Des trafics d'organes humains, des trafics de drogue, des trafics de pétrole, des trafics de toutes sortes de trafics. Le troisième acteur que nous avons sont les acteurs étrangers. Les acteurs étrangers dans nos pays sont de hauts responsables ou de chefs de groupe se retrouvant dans un autre pays et opérant dans nos pays. Et c'est surtout autour de la drogue, les gros exploitants de pétrole. Les gros trafiquants de pétrole ne sont pas au Bénin, ils sont au Nigeria et comment on appelle, inondent le Bénin des produits du Bénin jusqu'au Burkina, au Niger et au Togo. Ce sont ces grands-là qui font ce commerce-là. C'est comme la drogue. Nous avons, notre pays est devenu presque une plateforme de transit de la drogue et ceux qui gèrent même ces drogues ne sont pas chez nous, mais sont ailleurs. Ils ne sont que des pays de transit. Ça fait qu'on a beaucoup de ces espèces-là. Aujourd'hui, les crimes phoniques, le trafic des ivoires d'éléphants, avec les trafics de toutes sortes, se retrouvent dans ces zones-là. Et les commanditaires sont toujours ailleurs. Et c'est les sous-fifs qui sont ici pour faire le travail à leur côté. Là aussi, des trucs ont été mis en place. Et comment aujourd'hui, au niveau de notre pays, on a mis en place on a mis les PAC sous contrôle d'une ONG internationale, African PAC, qui a mis des dispositions pour empêcher et cela. Donc, on a une gestion plus rationnelle de nos PAC. Dans la même veine, nous avons les prises d'otages avec demande de rançon. Souvent, c'est des groupes organisés qui sont dans la région ouest africaine qui lancent les prises d'otages dans les différents pays. Donc, ça passe au Bénin, ça passe au Togo, ça passe au Burkina Faso, ça passe au Niger. Et quand ils prennent les otages, ils demandent, ils traversent la frontière et demandent des rançons. Dès qu'ils ont les rançons, ils laissent les otages. Mais quand ils n'ont pas les rançons, des fois, ils tuent l'otage, des fois, ils le jettent. Donc, ça fait qu'on a un certain nombre de ces crimes qui sont nouveaux. C'est vraiment de nouveaux choses qu'on a actuellement. Et enfin, il y a les cybercriminels qui, de plus en plus aussi, ont commencé par s'organiser. C'est de plus en plus seul, mais c'est un groupe organisé pour faire ces trucs-là. Premièrement, c'est utiliser les fausses offres pour appâter les gars et leur prendre des sous ou tout simplement et faire du chantage à des personnes qui bêtement se mettent sous leur coup. C'est pour cela que aujourd'hui, voilà les trois types d'acteurs que nous avons. Quels sont les marchés impliqués dans la criminalité transfrontalière organisée? Nous avons tous les trafics de toutes sortes, trafic d'êtres humains, et trafic de faux médicaments, trafic d'armes légères et de petits calibres, la pêche illégale surtout sur nos côtes, les trafics des ressources naturelles, commerce de bois, commerce de cernodure, hein, trafic de drogue, notamment le chanvre indien, donc c'est une drogue de moindre valeur, les méthamphétamines. Nous avons de plus en plus de vols de bétail avec la transhumance. Dans des vols de bétail, on retrouve des bétails qui sont volés à Cotonou, à Abidjan, sur les marais d'Abidjan. On retrouve le bétail volé par des terroristes dans les mains de simples criminels. Donc, il y a un lien entre ces deux groupes sur les marchés d'Abidjan, sur les marchés de Cotonou, sur les marchés de Parakou, un peu partout. Il y a la contrebande d'essence, il y a la contrebande de voitures volées et les Alpha projets venant des pays du Golfe. Donc, on a énormément de nouveaux de marchés qu'on retrouve aujourd'hui dans notre pays et qui posent énormément de questions. Des questions de prise en charge, des questions essentielles. Et de plus en plus, on se pose des questions de savoir, de voir le lien entre ces marchés et le terrorisme. Parce qu'il a
une forte collaboration aujourd'hui entre les terroristes qui ont besoin de ressources et les groupes de les criminels transfrontaliers organisés qui donc se donnent la main. Les terroristes foutent la pagaille, mettent à mal l'État et les autres et opèrent. Et résultat, donc on a donc cet assemblage qu'on remarque aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui montre, on vient d'avoir par exemple un documentaire sur le marché des armes au Mali, où des terroristes qui ont été attaqués, qui ont ramassé des armes chez l'armée, qui ont ramassé des munitions chez l'armée, qui ont dévalisé des magasins en plein air, vendent les munitions, les armes et le matériel volé, c'est-à-dire les friperies, etc., ce qu'ils appellent eux-mêmes yougou-yougou, et qu'ils vendent à ciel ouvert. Donc, il y a un lien très fort qu'il est important de faire dans la sous-région ouest-africaine. Et tout cela se passe dans les zones frontalières, que ce soit au niveau de la région de l'Est au Burkina, que ce soit dans la région des Trois-Rivières, que ce soit dans la zone de Tillabéri, c'est des espaces frontaliers et des espaces qui, aujourd'hui, sont sous la menace des criminels donc, qui font donc, ces activités-là. Voilà les acteurs que nous avons et voilà les marchés qui sont donc exploités par ces criminels qui donc arpentent nos zones frontalières. Merci. Oui, merci pour cet exposé. Une deuxième question pour vous, alors, qui découle de notre discussion. Comment évaluez-vous les perspectives de la résilience communautaire à la criminalité transnationale organisée dans ces espaces frontalières? Déjà, nous pouvons dire qu'au niveau de mon pays et de certains pays de la sous-région, en dehors du Nigeria, si je prends le Togo, le Bénin, le Burkina, nous avons généralement une résilience qui est faible à la CTO, tout simplement parce que la CTO même est faible. Mais au niveau du Bénin, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons d'abord commencé par viser, si vous voulez, nous avons mis des actions en œuvre pour donner à ces populations le sentiment d'appartenance. Comme je l'ai dit, dans les zones frontalières, il n'y a rien. C'est les zones très pauvres, c'est les zones les plus pauvres de tous les pays. Chaque pays a la pauvreté dans ces zones frontalières. C'est les zones qui sont marginalisées et c'est les zones qui sont stigmatisées parce que les gens pensent que les zones frontalières sont les zones de désordre, c'est les zones des bandits, c'est les zones où sévise le terrorisme, c'est les zones où il ne faut rien faire, c'est les zones qu'on ne connaît même pas, donc personne ne veut aller là-bas. L'État est absent. Alors, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Nous avons décidé, premièrement, de montrer la présence et l'utilité de l'État à ces populations. En faisant quoi? En développant un programme national de développement des espaces frontaliers et en proposant une politique nationale de gestion intégrée des zones et frontalières. Et cette politique a trois variantes essentielles, c'est-à-dire trois axes essentiels. Notre premier axe, c'est de renforcer la défense de l'intégrité du territoire national et de sécuriser les espaces frontaliers. Ça nous a permis donc de mettre un certain nombre d'activités que je vais citer tout à l'heure. Deuxième point, c'est de réduire la pauvreté et améliorer la qualité de vie des populations frontalières. Et troisième, c'est développer la coopération transfrontalière. En ce qui concerne la première partie, renforcer la défense de l'intégrité territoriale et sécuriser les espaces frontaliers, nous avons d'abord adopté une nouvelle approche de la sécurité fondée sur une nouvelle gouvernance de la sécurité à la base portée par les collectivités et qui allie paix, sécurité et développement. Donc, la sécurité n'est plus seulement l'affaire des policiers et des militaires. La sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire du citoyen. Et les citoyens sont les premiers à porter, à travers le renseignement territorial, cette activité-là. Ça fait quoi? Ça permet, donc, déjà, d'avoir l'information de ce qui bouge dans ces secteurs-là. Deuxièmement, une vision stratégique et globale de la sécurité basée sur la prévention. Donc, c'est la population qui est au cœur du renseignement. Deuxièmement, nous avons rapproché la sécurité des populations frontalières par la construction d'environ 60 commissariats frontaliers qui sont construits au niveau de ces espaces-là.
Ça fait que les forces de défense et de sécurité sont auprès des populations. Leur rôle, c'est d'accompagner les populations et non de les exploiter, de les rançonner. Parce que la politique contre le rançonnement est mise en même temps à côté. Nous avons aussi, après ce moment-là, donné des matériels de déplacement, des moyens de déplacement adaptés avec un appui conséquent à cette police-là. Deuxièmement, nous avons créé conjointement avec la police républicaine une unité spéciale d'élite de la police nommée Unité spéciale de surveillance des frontières. Et cette police, formée par les maristes américains, a pour rôle de sécuriser les communautés frontalières. Donc, c'est une police qui est au service de la communauté et non une police qui est là pour réprimer la population. Ils n'ont pas d'officier de police judiciaire. Leur rôle, c'est de protéger les populations contre toute atteinte. Nous avons aussi mis en place des plateformes de coopération entre les forces de défense et sécurité des deux pays. C'est-à-dire, à chaque frontière, nous traversons pour travailler avec les policiers qui sont de côté. Donc, quand il y a des délinquants qui traversent, on les ramène et quand ceux-ci, on les dépose. Donc, ces plateformes-là ont permis, étant donné que les CTO ne peuvent pas être traités par un seul État, donc on met en place un mécanisme qui permet donc de traiter des deux côtés. Ce n'est pas seulement les forces de défense et sécurité, mais il y a les collectivités, il y a les chefs traditionnels, les chefs religieux qui, ensemble, participent à cette activité de lutte contre les CTO. Le second point, c'est la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la qualité de vie des populations. Et pour sortir les populations frontalières de la pauvreté et de leur permettre d'avoir de leur faire passer le sentiment d'abandon et leur donner le sentiment d'appartenance à notre pays, alors, l'agence s'est engagée à travailler sur deux points. Sur le plan social, nous avons la fourniture d'eau potable avec plus de 150 forages à moitié humaine, solaire et des AUV que nous avons développés dans les zones frontalières. Cette année-ci, nous avons prévu en faire 40 dans ces zones frontalières. Sur le plan social aussi, nous avons construit environ 130 écoles, modules de classe, de trois classes d'école, ça fait 300 et salles de classe, avec équipées de tables de banc, avec la prise en charge des enseignants, on paye le salaire des enseignants, et aussi nous mettons une cantine scolaire dans certaines zones pour permettre aux enfants qui viennent à l'école de pouvoir manger. Nous avons aussi, dans plusieurs zones, fait établir des actes de naissance et des pièces d'état civil aux enfants pour leur permettre d'aller aux examens parce que beaucoup d'enfants dans beaucoup de régions n'ont rien, n'ont aucun papier pour pouvoir faire cela. Donc, il n'arrive pas à faire que beaucoup de déscolarisation se retrouve. Et sur le plan sanitaire, nous organisons ce qu'on appelle les consultations, les tournées de consultations médicales foraines qui nous permettent d'apporter les médecins des grands centres urbains pour apporter des soins de qualité à ces populations qui n'en ont jamais eu. Et c'est des soins de spécialité. Neurologie et rhumatologie, dermatologie, gynécologie, etc. Et depuis les deux dernières années, nous faisons des détections de cancer de col de l'utérus pour les femmes avec traitement en même temps par thermocoagulation. Nous faisons des chirurgies liées, par exemple, aux cataractes, donc en ophtalmologie, et beaucoup d'autres activités et connexes qui sont faites avec ces populations-là. Donc, voilà sur le plan social, ce que nous faisons. Sur le plan économique, nous développons les ateliers généraux de revenus avec les femmes. Et avec ces femmes, nous les formons, nous les amenons faire des formations dans les zones où l'activité se développe. Nous les équipons gratuitement avec les matériels. Nous leur construisons les unités de production, les ateliers où elles font ce travail-là. Et nous, donc, leur donnons des fonds de roulement. Et à ce niveau, nous intervenons dans la zone de préparation des farines de manioc qui marche très bien au Nigeria. Le marché existe et donc la filière est mise en place. Nous faisons dans la vallée du Niger des établissements avec les fours Choco pour la conservation du poisson. Les gens ont beaucoup de poissons, mais ils ne savent pas conserver. Nous avons la fabrication de beurre de karité. Nous, qui est
exporter. Donc, il y a beaucoup de filières que nous avons développées avec la possibilité de filière totale avec ces femmes-là, ce qui leur permet aujourd'hui, avec les fonds de roulement que nous leur donnons, d'aller très, très vite à l'autonomisation de cette femme-là. Or, vous savez, en Afrique, quand vous autonomisez une femme, c'est toute une famille que vous sauvez. Donc, les hommes rentrent dans la démarche. Nous avons aussi donc, mis en place un programme emploi jeune pour les enfants de cette zone-là, financé par la Banque mondiale à concurrence de 45 millions de dollars. Et ce programme permet de prendre en charge les enfants et les jeunes déscolarisés, de ces, au moins ceux qui ont le CEP et le BPC au plus. Et cela, on leur permet d'avoir des actions en leur mettant à disposition un certain fonds de démarrage. Donc, c'est un programme qui est appuyé par la Banque mondiale et qui permet donc à ces enfants d'aller et de l'avant. Nous organisons aussi beaucoup d'autres activités, par exemple pour les femmes couturières, leur apprendre, par exemple, à coudre les masques contre COVID, parce que les populations n'ont pas la capacité d'acheter ce matériel-là. Donc, on leur a appris. Et aujourd'hui, ce sont des masques réutilisables qui sont utilisés dans ces zones-là et fabriqués par les couturières de ces zones. Tout ça a permis à ces populations, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir le sentiment d'appartenance au Bénin, de commencer par travailler main à main avec les forces de défense et de sécurité. Ils sont devenus, comme on le dit dans notre pays, les yeux, les oreilles et donc les mains de les forces de défense et de sécurité. Résultat, l'État graduellement s'est substitué à ces entrepreneurs de violence, à ces criminels qui avaient pris siège dans les zones frontalières. J'espère qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on remarque que le Bénin est à l'abri un peu de ces... Malheureusement, il y a certains points sur lesquels on ne peut pas réussir. C'est par exemple le trafic de carburant qui est devenu une plaie pour ce secteur-là. Voilà ce que je peux vous dire. Et tout ça a permis donc à nos populations frontalières d'avoir le sentiment d'appartenance et se mettre au service de leur pays, le Bénin, et d'adopter ce qu'on appelle le renseignement territorial qui privilégie la prévention et met le citoyen au cœur de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. Donc, tous les grands criminels qui sévissaient sur ces frontières-là sont venus traverser et aller de l'autre côté. Merci beaucoup, docteur, pour avoir décrit en détail les différentes parties de vos démarches dans le domaine de lutter contre la CTO et aussi pour avoir souligné l'importance, la portée de se sentir comme une partie de notre nation, de notre pays. Le sentiment d'appartenance, cela joue aussi dans les dynamiques ici. Troisième et question finale pour vous. Quelle stratégie et quel mécanisme de coordination est-ce que les acteurs du secteur de la sécurité et de la justice peuvent adopter pour renforcer la lutte contre la CTO dans les communautés frontalières? Alors, avez-vous des avis à propos de certaines stratégies et mécanismes de coordination que les acteurs ici qui participent dans le séminaire puissent considérer chez eux? Merci. La plus grande plaie des pays africains, c'est le travail de façon sectorielle. On n'a pas la culture de travailler ensemble. Ça fait que dans notre pays, dès 2016, le gouvernement a opté pour la fusion de la police et de la gendarmerie. L'incapacité de travailler ensemble de ces deux corps chargés de promouvoir la sécurité nous a amenés à les fusionner. Et de la police nationale et de la gendarmerie nationale, nous avons aujourd'hui la police républicaine. Ça a réglé un problème de coordination avec un commandement unique. Donc, à tenue unique, il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus de policiers. Pour la sécurité, nous avons la police républicaine. Il y a un lien très fort entre la justice et la sécurité à travers la création d'une direction générale de la police judiciaire. Donc, tout un pan de la police républicaine est mis au service du parquet et son rôle, c'est de travailler uniquement pour le parquet, de faire les enquêtes
et de transmettre les informations et d'être au service du parquet. Ça a servi de lien entre le parquet et la police républicaine. Et troisièmement, le gouvernement a créé un comité de haut niveau chargé de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité aux frontières. Et cette structure est composée donc du président lui-même qui préside, mais des ministres de la Défense, de l'Intérieur, du directeur de cabinet du chef de l'État, directeur de cabinet militaire du chef de l'État, du directeur général de la police républicaine, du chef d'état-major général des armées, du chef d'état de l'armée de terre, du directeur général de l'Agence bénoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, du directeur général des douanes, du directeur de renseignement, général des renseignements et autres. Donc, ce groupe a pour rôle de mettre, de coordonner les différentes actions liées à la sécurisation des espaces frontaliers. C'est qu'on a tous les corps à l'intérieur et chaque mercredi, on fait l'état des zones frontalières de notre pays. Étant donné que le Bénin est entouré de zones en crise, le Burkina Faso, le Niger, qui sont actuellement, et le Nigeria, qui sont sous menace djihadiste. Donc, cette institution s'occupe non seulement de la criminalité transfrontalière ou transnationale organisée, mais aussi du terrorisme. Et se réunit tout le temps, et à l'intérieur, le ministre de la Justice intervient. Et ça nous permet donc de travailler et comme ça. Au niveau du Bénin, le Bénin a créé la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et cette cour aussi a en son sein a comme bras armé la brigade économique et financière, la BEF, qui est de la police républicaine et qui travaille essentiellement pour la CRIET, pour déterminer les opérateurs économiques indélicats, les fonctionnaires, les grands détournements et les mettre à disposition de ça. Donc, avant, nous avons la justice qui est au-dessus de la sécurité, mais aujourd'hui, nous avons la justice qui travaille main dans la main avec la sécurité et qui s'est mise à travers donc ces trucs dont je vous ai parlé, la CRIET, la police judiciaire. Donc, c'est de lien entre ces différentes structures. Mais au niveau du Bénin aussi, nous avons créé la CENTIF, donc la cellule qui s'occupe de tracer les flux financiers, et qui surveille un peu les flux financiers pour attirer l'attention du gouvernement sur cet aspect-là. Donc, aujourd'hui, il est important de mettre au niveau stratégique des structures capables de coordonner au plus haut niveau cette activité parce que c'est très difficile de coordonner à l'opérationnel. Et de façon stratégique, quand le chef de l'État intervient et que les responsables de chaque structure se trouvent autour d'une table, on a une coordination plus forte et on est plus enclin à régler ce problème. Mais ce qui est le plus essentiel, c'est que pour rendre résilient une communauté, il faut laisser la communauté jouer elle-même son rôle, le premier rôle. Il faut donner le premier rôle à cette communauté-là. Et c'est là où donner le sentiment d'appartenance est très important. Deuxièmement, il faut avoir une plateforme de coordination entre les différents intervenants pour se donner la main et aller contre cette lutte-là. Et comme cette lutte ne peut pas être nationale, il faut forcément mettre l'accent sur la coopération transfrontalière. Et pour ça, c'est assez facile de connaître les frontières et passer au-delà. Il faut transcender les frontières pour pouvoir travailler main dans la main avec nos voisins et mettre fin à cela. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que les criminels utilisent le frein des frontières pour prospérer. Quand un terroriste est poursuivi au Bénin, il traverse pour aller au Nigeria. Quand il est poursuivi au Nigeria, il traverse pour venir au Bénin. Ou bien ils traversent pour aller au Togo, ils traversent pour aller au Burkina, etc. Même les terroristes ont les mêmes réactions. Donc, c'est ce que je peux dire au niveau de la coordination, ce que nous faisons au Bénin, et je pense que ce qu'il est important de pouvoir faire, parce que les mécanismes ne peuvent pas être décrétés sur papier, mais il faut mettre un mécanisme où la coordination se trouve au plus haut niveau
où on intègre tous les parties prenantes pour leur permettre donc de pouvoir aller dans le même sens. Et aller dans le même sens, c'est d'abord que tous les ministères se sentent impliqués dans la lutte contre les CTO et qu'on ne pense pas seulement au ministère de la Santé et de l'Intérieur et de la Sécurité publique ou bien au niveau du ministère de la Défense. C'est tous les ministères qui, par leur action, peuvent aller à cela. C'est là où la coordination au plus haut niveau est recommandée. Je crois que j'ai fait, j'ai fait 6 minutes, donc j'ai encore 1 minute. Merci. Merci beaucoup de vos réponses à ces 3 questions. Nous avons beaucoup appris, bien sûr, à propos de ce que le Bénin, ce que vous êtes en train de faire au Bénin et quelles sont les implications pour d'autres pays qui essaient de faire une bonne coordination aussi. Now, let's turn to Charles. Charles, I also have 3 questions for you. Maintenant, nous allons parler à Charles. J'ai aussi 3 questions pour vous. Alors, je vais vous demander de décrire quelles sont les principales caractéristiques de la CTO et son fonctionnement dans les zones urbaines d'Afrique que les acteurs étatiques souhaitant favoriser des réponses coordonnées pour lutter contre la CTO devraient garder à l'esprit. Merci. Et merci au CESA de m'avoir invité. Et j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que je n'ai pas coupé mon micro. Oui, nous vous entendons. Merci. Donc, les réseaux de CTO sont très bien établis. Quand on parle de cette criminalité organisée transnationale, ce sont les activités de criminels professionnels. L'interprète s'excuse, le son n'est pas très clair. Et donc, les institutions qui sont utilisées pour ces activités criminelles, ils peuvent être d'une manière prédatoire ou alors ils peuvent être basés sur les marchés. Alors, les lignes d'activité que ces criminels de CTO dans lesquels ils s'impliquent, d'abord, l'acquisition et la fourniture de biens illicites, de produits illicites dans des marchés où ils sont déjà présents avant l'arrivée des criminels, où c'est les criminels qui créent ces produits, qu'ils développent ces marchés. Certains utilisent des fournitures pour en fait mener à bien des activités criminelles au-delà de cela. Par exemple, l'approvisionnement d'explosifs qui auraient pu être acquéris d'une manière illicite, mais utilisé dans des opérations minières, sont ensuite envoyés à travers des frontières pour être utilisés pour des exploitations minières non illicites ou alors des actes terroristes. Alors, deuxièmement, il y a les services, la fourniture de prestataires de services illicites, par exemple, le trafic de personnes à travers les frontières, la traite humaine ou une façon d'aider des migrations illicites à travers les frontières. Un autre exemple serait l'approvisionnement de services de protection du racketeering, qui est une forme d'extorsion. Je peux en reparler un peu plus tard. Et troisièmement, il y a les activités qu'on reconnaît depuis peu de temps, et c'est vraiment quelque chose qui provient du fait que ces criminels ont toujours trouvé qu'il était dans leurs intérêts d'infiltrer des organisations d'affaires, des institutions du gouvernement, enfin les entreprises. Mon copanaliste peut nous dire exactement ce qu'il a vu dans sa partie de l'Afrique.
mais donc ces criminels ont une ambition commune. Ils veulent en fait imposer leur volonté dans une zone par à travers leur pouvoir. Ils ont cette ambition et qui mène à une autre caractéristique de ces criminels, c'est qu'ils ont une tendance à s'infiltrer dans les entités, les sociétés et les institutions du gouvernement. Un élément essentiel qui est présent dans tous les réseaux de CTO en Afrique, c'est qu'ils ont besoin et ils sont toujours en train d'évaluer leurs liens avec les communautés dans lesquelles ils existent, avec les entreprises avec lesquelles ils ont des liens, qu'ils ont infiltrés ou dont ils volent des éléments ou avec lesquels ils font concurrence. Et ils sont toujours en train d'évaluer leurs liens, leurs relations avec le gouvernement dans les pays où ils font opérer, fonctionner ces marchés illicites. Et ceci veut dire qu'ils sont particulièrement dangereux parce qu'ils sont tout le temps en train de réévaluer et de renouveler leurs relations, leurs liens. Bon, il y a d'autres éléments qui aident ces réseaux criminels à vraiment s'épanouir, disons. Quand on parle de zones urbaines en Afrique, ces zones urbaines font l'expérience d'une croissance énorme en population. Et cette croissance donc a été très rapide, surtout de jeunes, des jeunes qui essayent d'entrer dans le marché du travail, mais n'arrivent pas à obtenir des emplois dans ce marché du travail à cause des divers chocs qui ont fait face aux économies africaines de temps à autre. Et donc, il y a aussi les gens qui perdent leur emploi. Donc, le nombre de gens au chômage continue à augmenter. Je crois que le Forum économique mondial en 2018 a émis un rapport disant que les zones urbaines de l'Afrique font l'expérience de la plus grande croissance de toutes les zones urbaines du monde entier. Et donc, c'est un continent où beaucoup de gouvernements ont toujours s'efforcent encore de surmonter ce passé de colonialisme. Et il y a aussi le fait que dans des zones frontalières, comme on l'a dit, le gouvernement n'existait pas auparavant ou n'existe pas encore. Donc, ces criminels ont pu donc s'infiltrer. Et je dirais que c'est certaines des caractéristiques que l'on voit dans le continent africain, sur le continent africain, de la part de ces criminels. Merci énormément pour cet aperçu des éléments clés à voir du point de vue urbain. Alors, une autre question. Monsieur Gordimà, vous avez énormément d'années d'expérience dans l'analyse des acteurs criminels et à travailler avec les institutions qui travaillent contre le blanchiment d'argent pour contrecarrer la CTO. Alors, pourriez-vous parler des efforts de coordination que les institutions contre le blanchiment d'argent, qui sont souvent basées dans les zones urbaines, quels sont leurs efforts de coordination avec les institutions, les citoyens, pour obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans les zones urbaines et rurales pour contrecarrer les criminels? Alors, les efforts, les agences contre le blanchiment d'argent, ce qu'ils réalisent très rapidement à propos de la CTO, c'est que c'est une grande force motrice du blanchiment d'argent. Ils réalisent que ces criminels fonctionne très bien dans des marchés territorialisés, donc les marchés qui ne reconnaissent pas, qui ne sont pas définis
ou entravées par des frontières territoriales. Alors, donc, les institutions qui travaillent contre le blanchiment d'argent ont réalisé qu'ils devraient améliorer leur accès aux renseignements à propos des mouvements, des flux d'argent illicite. Donc, ils ont rapidement établi des réseaux au niveau interne, au niveau national, sur leur territoire et aussi à travers les frontières avec d'autres institutions qui travaillaient contre le blanchiment d'argent dans d'autres pays. Par exemple, il y a le groupe des unités d'intelligence de renseignement Egmont qui a été fondé par rapport à ces principes. Si on, en fait, confine ces agences qui travaillent contre le blanchiment d'argent au sein de leurs frontières, on ne pourra pas éliminer les forces motrices principales qui font ceci. Et donc, c'est la leçon principale pour la justice, les forces de l'ordre. C'est une leçon qui doit être apprise et en fait intégrée. Par exemple, il y a des institutions comme Interpol et ces bureaux originaux qui sont présents à travers l'Afrique. Ils sont influencés par cette idée qu'on peut mieux, il faut avoir accès aux informations au-delà des frontières et qu'il faut le faire en travaillant avec les autres pays. Mais une faille qui est présente et une zone là où on n'a pas encore assez fait de progrès, c'est l'utilisation des renseignements sur le crime pour développer les profils de ces réseaux de CTO en temps réel, parce que ces réseaux criminels comprennent non seulement des criminels professionnels, mais aussi l'interprète s'excuse, le son ne semble plus marcher. Ah. Et donc, il y a aussi les acteurs étatiques qui profitent de leurs activités et ils comprennent les acteurs étrangers. Et comme l'a dit mon copanéliste, il y a un aspect multidimensionnel par rapport à leurs opérations. Donc, les profils qui devraient être créés sur ces réseaux criminels ne sont pas faits assez souvent. Bon, dans certains domaines, cela est fait, par exemple, le trafic de la faune sauvage et des produits de ceci. En Afrique de l'Est et australe, il y a le groupe de travail de l'accord de Lusaka qui a été établi en fin des années 90 pour en fait observer de plus près les réseaux criminels actifs sur le trafic de la faune sauvage dans les pays africains vers l'Asie, en fait. Bon, ils ont eu pas mal, ce groupe de travail a eu pas mal de succès et c'est un modèle quand même à développer dans d'autres domaines. Quand on examine cela d'une manière sérieuse, de créer ces profils de réseaux criminels, on remarque que les informations qui sont disponibles, dont on a besoin pour travailler avec ces partenaires, on doit travailler avec des partenaires qui sont dans le secteur public et dans le secteur privé. Certains ont déjà fait beaucoup de travail pour établir ces profils de réseaux criminels. Je vais m'arrêter là. Alors, merci, Charles, pour avoir souligné les importants aspects de comment ce partenariat public-privé pourrait marcher pour établir ces profils de réseaux criminels et pour recueillir des renseignements dans les zones urbaines et rurales. Alors, dernière question.
Alors, quelle stratégie et quel mécanisme de coordination les acteurs du secteur de la sécurité pourraient-ils adopter pour améliorer le travail de lutte contre la CTO, en particulier dans les zones urbaines d'Afrique? Dans les zones urbaines, il y a une grande concentration de victimes potentielles pour ces réseaux. Alors, c'est là que la criminalité organisée est la plus visible et la mieux organisée. Et donc, ces mécanismes de coordination doivent vraiment s'enraciner. Il y a beaucoup d'exemples, mais alors une évaluation stratégique centrée sur l'évaluation des menaces et des conséquences qui sont sous-jacentes à ces évaluations de risque de blanchiment d'argent. On pourrait en fait répliquer ce qui est fait dans les efforts d'évaluation des risques de blanchiment d'argent. On peut utiliser ceci pour la CTO et ça nous dirait quel mécanisme devrait être adopté par rapport à la coordination. Les menaces sont reconnues comme une combinaison du crime dans l'économie et les différents. Il faut établir la vulnérabilité des victimes dans ce processus du crime. Et quand on va au-delà de ce modèle vers la CTO, on voit qui sont les cibles potentielles des réseaux de CTO. Quels sont les indicateurs auxquels les victimes potentielles doivent faire attention, doivent repérer, et qui doivent être les partenaires pour coordonner tout cela? Pour l'instant, au sein du secteur gouvernemental, il y a des mouvements pour intégrer la police, la gendarmerie, comme a dit mon collègue, pour faire les enquêtes sur les crimes financiers, par exemple. Au-delà du secteur du gouvernement, ma préoccupation, c'est que les autres partenaires potentiels, la société civile, les entreprises privées, peut-être leurs démarches ne sont pas au même rythme que ceux du gouvernement, mais il y a des exemples, des leçons apprises avec nous en Afrique du Sud. Les entreprises, eux, peuvent offrir des mécanismes de coordination au gouvernement pour protéger ses propres membres de la criminalité organisée, des structures par lesquelles on peut recueillir et partager et diffuser des informations au sein du gouvernement. Et le gouvernement a trouvé ça très utile. Dans la société civile, ensuite, là, les démarches dans la société civile ont eu lieu après cela. L'organisation de la Coupe mondiale en Afrique du Sud. Après cela, on a vu démarrer ce partenariat entre les entreprises et le gouvernement très rapidement parce que tout seul, sans coordonner avec les autres structures, on n'aurait jamais pu avoir la Coupe mondiale FIFA ou des événements de 2010. Et donc, on a vu des structures mises en place qui se sont montrées durables depuis 10 ans, 11 ans. Et cet élan, en fait, a été continué. Alors, je dirais, oui, que les partenaires de coordination ne peuvent pas toujours seulement être identifiés à l'avance, mais il faut vraiment travailler avec eux basé sur une appréciation mutuelle de ce que sont les problèmes dans un pays.
particulier. Merci beaucoup de votre réponse. Oui, je pense que la Coupe mondiale de FIFA, ça fait, c'est logique qu'il y ait des structures de coordination qui peuvent être multiformes et toucher à de nombreux secteurs. Merci beaucoup, c'était très intéressant.